Là, je vais être super. Je vais être bien, c'est plat, j'ai une super vue. Et puis j'ai un temps nickel. Il va peut-être y avoir un petit peu de vent demain, un petit peu de pluie, mais rien de très méchant. Là, je suis un peu exposé, je me suis mis avec l'ouverture vers le nord et d'ailleurs il commence à faire un peu frais là. Je pense que je vais être bien dans mon kilt cette nuit. En tout cas, je vais vous présenter ce sac à dos de la marque Superior Wilderness Backpack. Alors, avant de vous parler en détail du sac, ça on verra ça tout à l'heure, petite histoire déjà sur la marque pour celles et ceux qui ne connaissent pas. C'est un cottage manufacturier américain. Ce sont deux passionnés qui ont une histoire finalement dans la fabrication de produits qui est assez commune maintenant et assez classique, qu'on retrouve assez couramment maintenant. Dans les cottage manufacturers, leur histoire, c'est tout simplement suite à une traversée itinérante. Je crois qu'ils avaient fait le Pacific Crest Trail en 2016, le PCT. Ils auraient souhaité avoir un sac qui corresponde vraiment à leurs besoins, à leur cahier des charges. Et ils ont décidé, au retour de cette randonnée de 4-5 mois, de fabriquer le sac qu'ils auraient voulu avoir pendant leur traversée itinérante. Et puis de là est née cette marque. Ça fait à peu près 5 ans qu'elle existe. Je crois qu'elle a été créée en 2016. Moi, j'ai appris la connaissance de cette marque il y a un peu plus d'un an. Je leur avais déjà commandé un sac il y a un an, un litrage beaucoup plus petit, sans armature. Celui-ci, c'est vraiment un gros litrage, avec une armature, mais je vous en parlerai en détail tout à l'heure. Et puis, c'est une marque qui est très réputée maintenant, en tout cas outre-Atlantique. Elle est peut-être moins connue en Europe. Pour avoir maintenant deux sacs de cette marque-là, je peux vous dire que niveau qualité de fabrication, niveau ergonomie, niveau conception, niveau qualité des coutures, niveau plein de choses, il se classe vraiment dans le haut du panier des fabricants. J'ai eu pas mal de sacs d'artisans, notamment KS Ultralight Gear. Mais comme je suis quelqu'un vraiment qui adore tester de nouvelles choses, j'ai pas pu m'empêcher en découvrant cette marque et en découvrant justement les options qu'ils proposaient que pas d'autres marques ne proposent. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. J'avais envie en fait de tester un petit peu ces sacs et je suis vraiment pas déçu, même si les temps d'attente explosent tous les records. Je crois que pour ce sac-là, j'ai dû attendre 16 ou 18 semaines de délai, donc c'est énorme. Il ne faut vraiment pas être pressé, il ne faut pas avoir des projets dans les cartons, parce que sinon c'est mort. Ils ont une gamme de produits qui va des sacs à armature comme celui-ci, jusqu'au sac en cubaine sans armature ultralight, qui pèse dans les 300-400 grammes, donc qui se classe dans la catégorie vraiment des sacs minimalistes ultra légers. Donc on en trouve vraiment pour tous les goûts, et même les sacs, les gros sacs comme celui-ci d'une cinquantaine de litres ont des poids qui sont quand même très très modérés, puisque là avec un tissu super costaud on est sur un sac qui pèse dans le kilo à peu près, donc on n'est plus dans l'ultra léger, ça c'est clair et net. Mais je vous expliquerai après aussi pourquoi j'ai choisi ce type de sac, pourquoi je me suis alourdi sur ce type de sac et dans quel usage surtout je compte faire avec. C'est vraiment
un sac qui est personnalisé, un sac qui est réfléchi avant d'acheter. On pense d'abord à ce qui va nous servir et quel usage on va en faire, et vraiment par rapport à un cahier des charges précis. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore, c'est quelque chose que j'aime. C'est pour ça que j'achète beaucoup de produits chez les cottage manufacturers. Alors je sais que ça représente un budget, hein. C'est un sac qui coûte plus de 300 euros avec les frais de port. 350 euros, c'est quand même un budget, c'est pas rien. C'est vrai que pour le randonneur lambda occasionnel, peut-être aucun intérêt d'aller mettre autant dans un sac à dos. Même les sacs des grandes marques ne font pas des sacs aussi chers. Donc là, c'est vraiment quand même un budget. Mais il y a certaines choses qu'on ne va pas retrouver forcément ailleurs. L'ensemble fait qu'on a, on a un produit qui est assez uni. C'est ce qui m'a décidé en tout cas sur ce choix. Voilà, je vais vous laisser pour l'instant parce que je commence vraiment à me les cailler. Là, il commence à faire froid. En plus, je suis à l'ombre. Il fait encore beau, donc je vais en profiter. Je vais peut-être me faire un petit thé pour me réchauffer, installer mon couchage. Comme ça, ce sera fait. Puis je vais laisser le duvet gonfler tranquillement. Et je vous dis à plus tard, peut-être à tout à l'heure ou à demain, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vous dis à plus tard pour continuer à parler de cette petite bête. Ciao les amis! Comme prévu, on se retrouve à nouveau pour que je vous présente en détail ce sac à dos. Alors, petite correction, depuis le début de la vidéo, je réalise que je fais une erreur en mentionnant la marque SWD, ça ne veut pas dire Superior Wilderness Backpack, vous en doutez, mais Superior Wilderness Design. Voilà, erreur corrigée. Le sac que vous voyez aujourd'hui, c'est le Rugged Long Haul 50 litres. C'est un sac dans leur gamme de sacs à dos, celui qui est le plus gros, le plus volumineux, le plus costaud, on va dire, c'est le gros cheval de course de la marque. Celui-ci, il est construit en VX21, c'est un matériau qui est complètement imperméable, très résistant à la perforation, à l'abrasion. Pour les parties sensibles comme les poches ainsi que le fond, on peut demander en option un matériau encore plus résistant, c'est du X42. On peut personnaliser complètement le sac si on le souhaite, c'est-à-dire on peut choisir la couleur des tissus si on a envie. Là, je vous présente rapidement le sac tel qu'il est vendu par défaut par la marque. Donc on a un corps principal qui a une contenance d'environ 50 litres. Je pense que la marque est un petit peu optimiste, mais bon, d'après la marque, ça fait 50 litres. On arrive à 60 litres en tout avec les poches, c'est-à-dire la poche ici, la poche principale plus les poches de côté. Au niveau des bretelles et de la ceinture ventrale, on a un tissu qui est différent pour ces parties-là. Les bretelles ainsi que la ceinture sont faites avec une mousse qui est, d'après la marque, de très bonne qualité. Elle est très épaisse, en tout cas, elle est vraiment très très confortable. Des bretelles en forme de S qui conviennent aussi bien aux hommes qu'aux femmes, par défaut. On a des rappels de charge classiques sur chaque bretelle. Et puis, on a également, en option, la possibilité de mettre des petites poches sur la ceinture ventrale. Et on a également un pad, ici en mèche, qui vient au niveau des lombaires. Je vous le disais donc dans la première partie de cette vidéo, c'est un sac qui est avec armature. L'armature, elle se compose de deux tiges alu qu'on peut enlever, qui sont préformées en forme de S, qui sont glissées dans des tubes cousus à l'intérieur du sac, ainsi que d'une petite mousse sur la partie inférieure ici du dos, une petite mousse assez fine, qui est, elle, par contre, qu'on ne peut pas retirer. Une grande poche filée sur le devant, qui est assez volumineuse. Moi, j'y mets mes affaires de pluie, j'y mets le petit sit-pad sur lequel j'ai celui-ci. Un détail que j'aime beaucoup sur ces sacs-là, c'est valable sur tous les sacs que la gamme Pro, que la marque propose. On a des poches, donc, qui sont par défaut assez volumineuses. Sur ce sac-là, je pense qu'on peut y caser une bouteille sans problème, une bouteille d'un litre et demi. À la dernière sortie, j'avais une cristalline d'un litre et demi, ça rentrait sans problème. On peut le sac sur le dos enlever et remettre la bouteille sans souci, même le sac bien rempli. Donc ça, c'est un point très important. Et si on veut sécuriser ce qu'il y a dans les poches latérales, ici, on a un élastique avec un petit encas. Et en tirant sur l'élastique, ici, on vient plaquer
tout simplement la poche contre le corps du sac et tout ce qui est à l'intérieur ne pourra plus bouger. Donc ça c'est très pratique parce que ça permet d'avoir une modularité dans le sens où on peut avoir soit la poche qui est complètement fermée, sécurisée comme ceci si on a des petits objets, soit écartée de cette manière si on a une bouteille d'eau et qu'on souhaite y accéder rapidement sans avoir enlevé le sac. Maintenant les options que j'ai rajoutées sur le sac par défaut. Déjà ici on a la poche principale et à l'intérieur on a une petite poche en lycra qui est accessible depuis l'eau également. Ça permet de pouvoir y loger des affaires qu'on n'a pas forcément envie de chercher partout ici dans la poche principale. J'y mets notamment un peu de savon, la frontale, les gants, des bonnets si j'en ai besoin rapidement pendant la marche. Bon, moi je trouve que c'est très pratique parce que ça permet d'organiser encore une fois ses affaires encore mieux et de ne pas avoir à chercher. Comme c'est en lycra, il n'y a rien qui sort en fait, hein, ça vient se plaquer contre le corps du sac. Option que j'ai faite moi ajouter sur ce sac, c'est au niveau des sangles de compression latérale. Par défaut on a des cordelettes en zigzag comme on retrouve par exemple chez KS Ultra La Gear ou chez d'autres fabricants de sacs à dos. Ils proposent en option donc des sangles comme celle-ci, soit des sangles réglables qui ne sont pas détachables, soit des sangles avec buckle comme celle-ci qu'on peut détacher. Je réserve ce sac essentiellement à un usage hivernal pour attacher les raquettes sur les côtés ou même d'autres affaires. C'est très pratique. On n'a pas besoin de venir glisser les raquettes entre les sangles, ça prend du temps, c'est laborieux, les sangles viennent se coincer dans les fermetures de chaussures, etc. Ici, en fait, on déclipse tout simplement, on vient mettre le sac couché comme ceci, on vient poser la raquette et on vient rabattre les sangles par-dessus et ensuite on serre et c'est très pratique, c'est très facile, surtout en hiver où on a besoin justement d'avoir quelque chose de facile à utiliser, facile à manipuler. Au niveau de la fermeture, ici, donc on a par défaut une sangle en V qui vient se mettre par-dessus le sac avec un cordon qui vient se serrer. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres marques qui font ça. J'ai opté pour une fermeture zippée. Alors, on a un gros zip de la marque YKK, zip étanche, bien costaud. L'avantage, je trouve, de la fermeture par zip, et je l'avais déjà commandé sur le premier sac que j'avais acheté, on peut plus facilement caser des choses et fermer le zip. Si on avait une fermeture par exemple par cordon de serrage, il resterait toujours un petit trou au-dessus. Tandis que là, l'avantage, c'est que même le sac rare à bord, on peut quand même avoir le sac qui est complètement fermé. Alors même si les coutures, encore une fois, ne sont pas scellées, ne sont pas étanches, le fait d'avoir une membrane qui est complètement imperméable comme le VX21, ça va permettre quand même d'avoir une grosse résistance s'il pleut, s'il y a de l'humidité, s'il y a de l'eau qui risque de rentrer à l'intérieur, en sachant que, bien entendu, moi, toutes mes affaires sensibles, que ce soit le matériel électronique ou ce soit les affaires de couchage, sont de toute manière dans des sacs étanches à l'intérieur, donc double protection quoi qu'il arrive. L'autre option que j'ai fait rajouter, ce sont ces sangles que vous voyez ici qui partent de l'intérieur du sac et qui vont permettre, donc on a la possibilité de fermer le sac comme un sac étanche de manière classique en venant joindre les deux petits buckles ici, soit tout simplement, lorsqu'on l'a roulé, de venir le plaquer de cette manière, un petit peu ce que fait Mountain Laurel Design aussi sur ses sacs. Là, l'avantage, donc, c'est qu'on peut venir comme ça compresser le sac si celui-ci n'est pas rempli à fond, et ces petites sangles, on peut les enlever. Elles sont à l'intérieur, mais elles ne sont pas cousues. Elles sont mises sur des petits buckles et on peut les retirer si on n'en a pas l'utilité. Donc c'est pas mal parce que si on ne veut pas s'en servir, on n'est pas obligé de trimballer des accessoires qu'on va trimballer inutilement et du poids pour rien. Autre option que j'ai prise également parce que je privilégiais le confort de portage sur ce sac, une double sangle de serrage au niveau de la ceinture ventrale. Alors j'avais jamais testé ça, il y a plein de marques qui le proposent, hein. KS propose également ça sur ses sacs. Ça va permettre, et très honnêtement pour l'avoir testé, je trouve que on sent quand même une grosse différence, c'est pas juste un gadget, ça va permettre d'avoir la ventrale qui va bien épouser les hanches et ça va limiter énormément les points de friction. Et lorsque vous marchez pendant 4 heures, 5 heures avec le sac bien serré au niveau des hanches pour que le report se fasse bien sur les hanches, et ben je vous garantis que vous n'avez aucune gêne, aucune sensation de friction. Ça permet vraiment d'affiner le réglage de serrage au niveau de la ceinture. On peut serrer plus fort en haut et un peu moins fort en bas et ça permet vraiment, moi je me suis rendu compte qu'au bout de 4-5 heures de marche, finalement, la ventrale ne me gênait pas du tout sur ce sac-là. Alors c'est un sac, je vous le disais, que je destine à une utilisation essentiellement hivernale. Là, je le teste maintenant, on est au printemps parce que je viens de le recevoir. Je vous disais, les délais sont extrêmement longs. Je l'ai commandé cet hiver, je le reçois que maintenant, donc j'ai envie de le tester quand même pour voir un peu ce que ça donne. Et puis, il y a un point très intéressant avec ce sac, avec l'armature préformée et ce pad ici qui vient se plaquer au niveau des lombaires. On n'a pas le sac qui est complètement plaqué contre le dos, et ce qui fait que dès qu'il y a un petit peu de vent, dès qu'il y a un petit peu de brise, ça ventile énormément. Si j'ai transpiré, je ne me suis pas retrouvé avec un dos complètement trempé comme je peux l'avoir avec mes autres sacs, même si je suis habitué de toute façon à transpirer avec mes sacs sans armature. Là, pour le coup, j'ai vraiment fait attention de prendre la bonne longueur de dos et également la bonne longueur de ceinture, hein. J'ai vérifié avec mes autres sacs, dans le doute, ne pas hésiter à prendre une ceinture ventrale plus courte, parce que si elle est trop longue, elle ne va pas se serrer de manière assez importante sur les hanches et vous n'allez pas avoir un report efficace au niveau des hanches. Donc pas hésiter à prendre
une ceinture un peu plus courte. Alors sur le site, la marque dit qu'on peut porter jusqu'à 20 kg avec ce sac-là. Je ne sais pas si c'est possible, de toute façon, moi, c'est très peu probable que j'aille jusque-là. Mais je peux vous garantir que jusqu'à 12, 13, voire 14 kg, il n'y a aucun souci, c'est très confort. C'est un sac qui pèse légèrement plus d'un kilo. Encore une fois, pourquoi j'ai pris ce sac-là? C'est pour pouvoir l'utiliser en hiver, crampons, piolets, raquettes, etc., etc. Et puis un gros litrage, pas forcément parce que je vais emmener beaucoup de matériel, mais surtout parce que je veux pouvoir caser mon matériel sans avoir besoin d'un chausse-pied. J'ai acheté un duvet pour mes sortie hivernale, un duvet qui est confort jusqu'à moins 15 de triple zéro que je vous présenterai, mais là c'est pas la saison donc je vais attendre un petit peu pour le présenter. Lorsque je vais m'en servir, j'ai envie de pouvoir le ranger et de pouvoir le sortir et qui gonfle très rapidement. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris un litrage assez important. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur les petits conseils que je pouvais vous donner pour sortir bivouaquer en hiver, d'avoir un sac à dos avec un fort litrage. Je vous remets d'ailleurs le lien de cette vidéo hein, si vous l'avez pas vu. En fin de vidéo, si je me souviens bien, je vous parle du sac à dos. Je vous avais dit prenez un sac à dos avec un fort litrage pour l'hiver parce que ça vous permet de pouvoir ranger vos affaires facilement. Encore une fois, en hiver, on a besoin d'avoir des manipulations simples. On n'a pas la même dextérité s'il fait froid. On manipule souvent avec des gants, donc il faut pouvoir accéder, ranger facilement et avoir notamment tout ce qui est thermique pas trop compressé pour éviter justement de perdre du temps à ce que ça prenne du gonflant. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce sac. Alors je conclurai cette vidéo en vous donnant mes premières impressions. C'est la deuxième, troisième sortie que je fais maintenant avec ce sac à dos. Elles sont extrêmement positives en ce qui concerne le confort de portage. Je suis vraiment très surpris par le confort malgré le poids que je peux y mettre dedans. Je suis très content parce que je ne me suis pas planté au niveau des mesures, que ce soit la longueur de dos ou la longueur de la ceinture, ça me va parfaitement bien. Les poches accessibles pendant la marche, ça c'est un gros plus. Les options que j'ai prises pour l'instant, j'en suis très content. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que les coutures internes, ils n'ont pas mis de biais. KS met du biais, atelier longue distance met du biais. Moi, je trouve que déjà, ça donne un côté plus fini. Et puis, ça permet d'éviter d'avoir le tissu qui s'effiloche. Là, notamment, je vous montrerai en détail les tissus des poches, mais on a la même chose à l'intérieur. Ils ont été coupés, mais pas coupés à chaud. Ça s'effiloche un petit peu, ça enlève rien à la solidité du sac, bien entendu. C'est juste des petits points de finition. Je trouve ça un peu dommage parce que justement, au niveau des coutures, il n'y a rien à dire. Sur les points de tension, on a des triples coutures. Les coutures sont des points vraiment réguliers, très serrés. Elles sont droites, c'est parfait. Je vous montrerai ça en détail à la caméra, mais vous verrez que c'est vraiment très bien fini. C'est le seul truc que je trouve un petit peu dommage, sachant quand même qu'on paye un certain budget, 350 € avec les frais de port pour ce sac, donc c'est encore une fois un budget. Mais voilà, globalement, je suis assez content pour l'instant. J'ai hâte de m'en servir en hiver avec le matériel dedans. Autre point positif aussi à préciser, au niveau des poches qui sont sur la ceinture ventrale, on peut aussi les enlever, bien entendu, si on n'en a pas besoin. Et puis, gros avantage aussi, elles sont pas très grandes. On peut y mettre un smartphone. On peut y mettre quand même pas mal de choses, mais elles ne sont pas non plus immenses. Par contre, l'avantage, c'est qu'on peut les ouvrir sans problème avec une main. Il y a deux zips, il y a deux tirettes, et on peut les ouvrir sans problème, ça ne bloque pas. Donc c'est quelque chose qui m'horripilait sur certains sacs, où j'étais obligé d'utiliser les deux mains pour pouvoir accéder à l'intérieur d'une poche, pour pouvoir l'ouvrir ou la fermer. Là, en l'occurrence, avec une seule main, on peut ouvrir et fermer sans aucun problème ces poches. Alors voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur la marque SWD, Superior Wilderness Design, et sur leur Rugged Long Haul, sac de 60 litres avec armature. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bien entendu, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis vous, dites-moi ce que vous pensez de ce sac, qu'est-ce que vous pensez de la marque. Est-ce que vous envisagez d'acheter un sac de chez SWD, sachant qu'il y a des délais d'attente quand même qui sont assez impressionnants. Je crois qu'en ce moment on tourne autour des 20 semaines quand même pour info. Qu'est-ce que vous pensez de ce sac? Qu'est-ce que vous pensez des options que j'ai prises? Est-ce que vous pensez que c'est un sac qui vous conviendrait? Surtout n'hésitez pas, dites-moi tout dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à laisser un petit pouce, ça m'encourage à continuer. Puis partagez cette vidéo avec vos amis sur les réseaux. On se retrouve prochainement pour parler cette fois de la fameuse couette en Apex de chez Gramixpert. Promis, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent et ça fait un petit moment que cette vidéo devait sortir sur la chaîne. Donc promis, la prochaine vidéo, ce sera sur la couette Gramixpert. En attendant, je vous souhaite de bonnes randos. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.